Et si je vous disais que j'étais caché dans le décor? Oui, oui, je suis là. Non, non, il n'y a pas de montage. Je suis vraiment là. Coucou. Ok, bon. J'ai mis en place mon fond jaune. Ouais, mon fond jaune. C'est pas vert, c'est jaune. Pourquoi ça fonctionne? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fonctionne. Ah, tu me crois pas? Tiens, regarde, voilà une image de mon fond, actuellement. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Petit Rag, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, comme beaucoup demandé, on se retrouve enfin sur du Zoba pour rattraper un peu mon retard sur l'actualité Zoba. Oui, parce que j'ai énormément de retard. Énormément. Il y a eu beaucoup de caractères qui sont sortis dernièrement et c'est vrai que je suis pas à jour. Et je sais que beaucoup d'entre vous jouent encore à Zoba et attendent des vidéos Zoba. Y en a qui ne le savent pas encore, c'est pour ça qu'on va aller voir ça ensemble. Il y a un nouveau caractère qui va sortir. Donc voilà, on arrive sur la page Facebook de Zoba et donc du coup, new character, Jag the Tigress. Donc du coup, c'est une tigresse, elle s'appelle Jade. Elle est plutôt stylée, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt stylé. Je vais essayer de m'arranger avec les développeurs là, bien sûr, pour essayer de l'avoir. Ouais. Parce que je me vois pas mettre de l'argent pour leur faire de la pub derrière, hein, c'est pas mon avantage. Donc on va essayer de trouver un bon petit compromis, genre vous pouvez me donner les caractères dès qu'ils sortent et puis moi je vous fais une petite vidéo, tu vois. On va pas se le cacher, hein, il y en a beaucoup qui le font. Petite vidéo rapide pour vous montrer l'attaque qu'elle a, donc elle donne des coups de griffes. Ça se ramène un peu à, au requin, alors je sais plus comment il s'appelle, mais Finn si je me trompe pas. Au requin, c'est-à-dire en gros elle avance rapidement et elle vous donne un coup. Donc voilà, donc elle peut prendre le pompe, les grenades. Ok, bon, on sait pas si elle peut prendre une troisième arme. Mais bon, ce qu'on peut savoir déjà, c'est qu'elle prend le pompe et les grenades. Un petit skin, Misfit Jade. Alors, de ce que je vois, moi je l'appellerais pas Misfit. Je l'appellerais Dark Jade ou Punk Jade. Parce qu'elle a plutôt un style de punk, pas Misfit, enfin, bon. C'est un choix des développeurs, on va pas critiquer mais bon, je sais pas ce qu'ils ont fait là ce coup-ci. Et donc voilà, c'était tout pour l'actualité de ce qui va arriver, donc le nouveau caractère Jet. Donc les amis, pour ceux qui aiment Zoba et pour ceux qui aiment mes vidéos, n'oubliez pas le pouce bleu, le petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Qu'est-ce qu'une vidéo sur Zoba sans même jouer à Zoba? Non, ça n'a pas d'intérêt. Donc on va directement partir avec Nyx. Comme tu peux le voir tout là-bas, j'ai pas beaucoup de trophées. Ouais, ouais, j'ai pris beaucoup de retard. Ouais, ouais, je sais que dans le classement mondial, il y en a qui sont à 20 000. Mais bon, c'est pas pour autant que je vais arrêter Zoba, donc on part directement en game, let's go. Ok, c'est parti, let's go. Déjà, j'ai une grenade, un pompe et un arc. Ok, alors entre deux, j'ai pu augmenter Nyx 8, hein. Je joue très peu de fois. Allez. On va se faire ça de là. On va mettre directement le kit. Parfait. Ok, un kit. Une caisse et un autre kit. Alright. Il y a un Larry. Il y a un courageux. J'ai la zone juste derrière moi. C'est la guerre. C'est la guerre, ça se tape dans tous les sens. Toi, t'es mort. Non. Bon, ok. J'ai pas réussi à la voir. Ouf. Non, bah, je suis mort, hein. J'ai réussi à la voir. What the fuck? What the fuck? Comment j'ai fait mon compte, hein? Y'a personne. Top 5. Oh, toi t'es mort. Non, non, j'ai pas envie de mourir.
suis pas là, je suis pas là. Oh non, non. Ah, top 2, top 2, top 2, top 2. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Plus 22, ça fait plaisir, la petite boîte. Et vous savez quoi, vu que j'ai fait un top 2, je vais essayer de faire un top 1. Donc on repart directement au game. Ouais, c'est parti. Ok, je suis full bronze, c'est pas ouf. Parfait. Je vais chercher la girafe parce que la girafe elle est par ici normalement. Ok. Ok, bon, il y a personne par ici pour l'instant du coup. Ok, bon, il y a personne pour le moment. Ça reste relativement calme, mon cher. Ah, j'ai cru voir quelqu'un en haut. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Non, je suis pas mort, je suis pas mort, je suis pas mort, je suis toujours là, j'ai toujours envie. Moi j'abandonne pas comme ça généralement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir directement. J'ai pas le temps, j'ai pas envie de réfléchir, on repart, let's go. Ok. Ok, parfait. Non, pas parfait en fait. Ok, bon. Par contre, c'est dangereux de courir comme ça à côté des buissons. Ok, il est parti. Normalement, il est parti. La zone est arrêtée ici, totalement à l'opposé de ma position. Oh, il est encore là. Oh, le fou. Oh, le foufou. Ok, top 7. Je suis en position. Non. Je suis mort. Non, je suis pas mort. Ah là 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 là. Bon, là c'était vachement serré, je trouve. Hein. Je fais un petit total de
3689 trophées. Ah, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. Sinon, si la vidéo vous a plu, les potes, n'oubliez pas le pouce bleu, le petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de Zoba, de ce qu'ils apportent dans le jeu. Si vous y jouez toujours et si vous kiffez toujours, voilà, tout simplement. Moi, je reviens très vite pour de nouvelles vidéos sur Zoba, bien sûr. Et sur d'autres jeux mobiles aussi. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Je sais toujours pas pourquoi je dis ça. C'était Psytrag, allez, wouh! Bye bye! Attends, je pars derrière mon décor. Comme Harry Potter, dans ma cape.